Salut Jean Cesselin, on se retrouve sur Open Universalis 4. Il était une fois un pays qui se portait merveilleusement bien, l'économie était florissante, la manpower abondante, mais nous avons annexé, hérité plutôt, de la Bohême et de la Bourgogne en même temps. Ça, c'était prévisible. Pour autant, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la déchéance, c'est la décrépitude au niveau financier, c'est la décrépitude au niveau du manpower. Il nous manque 34 000 hommes pour valider tout ça. Alors, pas d'alerte, hein. Pas d'énervement, il s'agit uniquement de 34 000 hommes, c'est pas grand-chose. Hein. 34 000 hommes, c'est 3 ans, voilà. Donc ça va pouvoir se refaire. On va rejoindre ici, on va essayer de fusionner, de faire une belle troupe et ensuite d'envoyer en arrière des gens. Ok, on va perdre de l'absolutisme. Des gens au repos pour pas perdre des troupes. Alors attends, parce que lui il a l'air d'avoir un bien meilleur siège que l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Donc on met tout là-bas. Très bien. Ouais. Donc toi, ensuite tu fusionnes et tu vas virer tout ce qui ne sert à rien. Là, on n'est plus en train de compter combien qui fait quoi. Non, tu le gardes le 700, tu gardes tout ce qui fait un peu. Bon, le 75, tu peux le virer. Voilà, lui s'en va. Karl, il s'en va aussi, hein. Attends, Karl. Te donne tout ça et tu rends la troupe qui fait des sous et c'est toi qui t'en vas. Voilà, allez. Les nobles querelleurs de Créta, ben dis donc, ils en ont pas marre, ils me font deux fois le même événement en 2 secondes. Donc bah évidemment, du coup, nous on va y aller franchement là-bas. On a perdu 10 d'absolutisme quand même. Et on a perdu sur la légitimité aussi. Là, je vais remonter ma légitimité à la main parce qu'elle ne remontera pas assez en 8 ans. Ok, ça c'est fait. Bah écoutez, on va avancer sur Tlemcen et on va laisser le pauvre petit bichon aller récupérer les petites choses. On va aller regarder comment se passe la guerre de l'autre côté. Ah, il y a une contre-attaque mamelouk, des rebelles. C'est un peu dispersé. Alors oui, alors l'anglais, t'es très bien que tu sois là, mais alors faut que tu valides le boulot. Faut pas que t'ailles te balader partout après. L'anglais, faut que tu finisses entièrement le boulot ici. Parce qu'après, le problème qu'on a lorsqu'on les laisse un petit peu trop indépendants, c'est que ils se dispersent en fait. Ils se dispersent les uns les autres, certes, mais aussi surtout, l'anglais il va prendre un territoire ici, puis il va aller à l'autre bout du monde, prendre un autre territoire. Il se focus sur les forts systématiquement. Et donc, c'est une bonne stratégie parfois, mais ils en oublient de prendre les terres autour des forts. Ce qui est dommage quand on vise pas les 100%. Quand on vise les 100%, c'est toujours bien qu'ils ciblent les forts et après. Mais là, je suis pas sûr de viser 100% parce qu'il est très fort. Et surtout, je voudrais valider ma truc là. Donc, il y a un moment où je vais faire la part des choses entre les gains à venir et le fait de valider ma réforme. Hein. Je perds des points là. Chaque seconde, je perds des points. C'est dramatique.
J'ai changé d'avis, je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le Pulse. Alors, le Pulse, on va clairement lui dire de nettoyer tout ça. Vraiment, là, on va rester en arrière avec lui. Il n'est pas fort. Mais il est tout à fait capable de libérer mes terres. C'est très bien qu'il soit là. Ça me fait plaisir. Tout ce travail de conversion a réussi à le rendre fiable, riche. Enfin, riche, je sais pas encore. Pour l'instant, tu me donnes tout à moi parce que c'est moi qui te les donnerai plus tard. Merci. Je vais envoyer éventuellement des colonies, des grosses colonies. Comme Rio de Prata et Cariba. Prendre ces deux trucs-là, on sait jamais. L'espagnol, il va continuer à rôder dans le coin. Le... Où il est, mon moscovite? Là. Le moscovite, il va venir ici. Le moscovite. Moi, j'aimerais qu'il soit là. Non, le moscovite, je vais le mettre en mode fight. Va chercher les troupes, va combattre. Voilà. Toi, t'as un gros tas de 50. Nous y voilà, on continue. Alors là, évidemment, on va... d'accord. On va se replier. Parce que, m'est avis que 17 canons, c'est relativement suffisant pour prendre un fort. On notera d'ailleurs qu'on commence le fort assez bien. On va prendre la conquête d'un empire avant que j'oublie. De façon à ce que tout soit soumis à 5 années de séparatisme en moins. Alors ça, c'est pas un problème. En plus, lui, il est full. Ok. Donc, modif national d'impôt moins 1. C'est quoi la différence? Ah, parce que c'est moins long. Ah bah, dis donc, c'est moins long, c'est moins long. C'est 15 ans. Ah bah, dis donc. Ça donne clairement pas envie. Si on comprend, c'est assez violent. Ah bah on a une aide. On a Newfoundland. Bah Newfoundland, écoute gars. Tu vas faire le taf ici. Non, tu vas laisser ça au portugais, il viendra le faire. Moi, j'essaye de tenir le front. Refus de payer les impôts, bah on a l'habitude, hein. C'est pas la meilleure période en général, hein, la cour et le pays. Allez, 35%, on peut le valider si vous voulez. Il se passe quoi là-bas? Ok, c'est le retour du Mamelouk sur sa zone principale. L'anglais, par contre, lui, il est parti faire son taf. Hein. Et lui, il fait quoi, lui? Ah non, c'est pas du tout ça. Donc on va changer. On va changer, on va lui demander de venir là. On
on donne plusieurs ordres parce qu'il a parfois plusieurs troupes. Et il envoie une petite troupe au lieu d'envoyer la grosse que l'on souhaitait envoyer. On va lui donner des ordres quasiment à la main. Hein. Et pendant ce temps-là, tout cela est validé. Le Pulse, il fait le taf là-bas. Ça, c'est très bon. Par contre, on a perdu 7000 hommes. Notre manpower, elle est vraiment aux fraises. Hein. Aux fraises, mais on a encore de quoi se battre. Donc, pas tant aux fraises que ça. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter que ce soit eux qui se renforcent en priorité. Toi tu vas aller là. Le 0 il va aller à Salé. Lui il va aller là. Moi je vais faire ça. Ok, bon. Si le Portugais pouvait valider ce siège, ça serait quand même pas mal. Surtout que à Alexandrie, ça se passe mal, visiblement. Par contre, ici, là, ça se passe assez bien. On n'a pas beaucoup de visibilité, ça m'inquiète un peu, mais on va faire avec. On va aller là. Mettre là-bas pour avoir un tout petit peu plus de visibilité. Ok, là il est vraiment centré là, y compris le Marocain qui est là. Tout le monde est là, donc je suis relativement safe. Le Castillan il prend un fort, ça c'est cool. Et par contre, ah, le Moscovite il revient. L'Anglais il est parti faire le fort qui est là-bas, c'est excellent. Excellent, excellent. Allez, nous on est en train de se répandre là. Ça va aller très très vite. Maintenant, le Maroc, il arrivera tôt ou tard. Résistance face à l'adversité. C'est sympa ça, passer à 3 de stab. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en même temps, moi, j'ai quand même besoin de fric. Donc on va aller voir notre ami de Portugal s'il ne veut pas nous en donner un peu. La Moscovie, pareil. Oh, Moscovie, tu es solvable. J'ai du mal à le croire. L'Angleterre, un petit peu. Allez, go. Pour le plaisir, 600, ça fait pas de mal. On va donc immédiatement investir un petit peu. L'idée, c'est de rentabiliser tous les revenus. Ok, là, là, il n'y a plus rien à faire. Tout le monde est parti faire son truc. On va suivre le mouvement. Ok, on va continuer à avancer pour voir un petit peu ce qui se passe. Les servir dans le frigo. Ça c'est pareil, ça va disparaître. Urbanisation. Ouais. Clairement. On va donc, j'allais dire, on va baisser la lutte contre la corruption. J'aurais dû y penser avant.
On va. C'est tendu. On pourrait baisser les forteresses. Parce qu'après tout. Combien ça me donne là? Plus 23. Voilà, là c'est fini en bas. On récupère tout le monde et on y va. Oh, le Portugais il est parti. Il a laissé aux Colombie-Anglaises et 13 colonies le soin de faire ça. Mais il va où? Il va aller à Le Kef. Excellent, excellent, excellent. Alors non, on envoie seulement deux bonhommes en avant. Par truc. Pour minimiser notre attrition. Maximiser aussi nos pertes si on nous tombe dessus. Il est où là? Il est là lui. Allez hop, on recommence. 1, 2, 3, 4. Et lui, ça va être pareil. Avec tout le monde. Ah, ça c'est intéressant. C'est mon dernier que je peux faire. Notre dernière province. Elle a fini ça en fanatisme. Son zèle religieux. Ah, modif de production, ça fait plaisir. Et c'est pas pour nous. Est-ce qu'on peut l'avoir déjà le truc? Non, pas encore. Bon, on y va. On y va, on y va. Alors évidemment, ça on en a envie. On a aussi très envie de ça. Et on a aussi envie de légitimer plein de trucs. Donc on va ne rien prendre, malheureusement. Je pense que l'anglais il a compris qu'il fallait aller là et qu'il y va. Là, c'est parfait. Il est en train de taffer. Il est vraiment bien en train de taffer. Ah, là, les batailles. Par contre, il va jamais s'en sortir, le moscovite. Ah, à moins que... Ah, il part, lui. Est-ce qu'il va le stack wipe? Ah, il a fui. Il a fui après le stack wipe. Il a pas stack wipe, mais. Ils vont bien, bien, bien. Allez, allez, allez. Allez, faut renforcer. Oh oui. Oh, ça se passe tellement bien là. On va changer, bien entendu, les ordres du Moscovite. Oh, il demandait d'aller fighter. Et qui c'est qui est derrière là? Caramani, on va lui demander de venir prendre ça.
Donc nous. Ah bon, on a fini le. On a pris le fort. Ok, donc nous, on va se réunir. Ici. Et ici. Afin de repartir de l'avant. Et c'est le moment de dire à Tunis que. Ah bah non, il faut d'abord qu'on valide notre paix avant de pouvoir attaquer Tunis. Donc on va voir si le Portugal, si le Maroc, il n'est pas prêt à signer. Parce que là, il se pourrait très bien qu'il soit prêt à signer. Donc, je veux pas grand-chose, hein, je veux ça, mon gars. Juste ça. Tu me le donnes, c'est parfait. Est-ce que tu me donnes le kef avec? Et ça aussi. Très bien. Et puis ça. Ça, tu veux pas. Alors, 87, 82. Alors attention quand même, hein. 9, 82, 11, ça va être tendu là. J'en ai peut-être pris un peu trop. On va y aller plus modestement. On avait pris un petit peu de rab. On va pas le prendre tout ce rab. Je vais pas prendre ça et ça. Voilà. Comme ça on reste à 75. Et maintenant, on va déclarer, on va attendre d'avoir le casus belli. Et on va juste après déclarer la guerre à la Tunisie. On va d'abord attendre que l'anglais, le portugais, tout le monde se soit remis sur les bonnes terres. Ah, j'ai un peu peur que le portugais ça passe pas. On y va. Non, c'est bon, il était chez le Mamelouk, il a pas pris le drapeau. Moi j'ai pris le drapeau, mais de toute façon je suis à côté. Ah, évidemment, c'est le moment d'aller jouer avec nos petits points. Alors, il y en a plein qu'on peut pas valider parce qu'on est en guerre contre la Tunisie. Et qui considère tous ces territoires-là comme légitimes. Il faut d'abord finir notre guerre contre la Tunisie. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que la guerre contre la Tunisie ne devrait pas être méga longue. Le Portugal ne va en faire qu'une bouchée. La Caramagne est là. On a le Moscovite qui est là. Donc on a évité les combats, visiblement. Ce qui ne me plaît pas, ça veut dire qu'il va passer dans notre dos. J'ai l'impression qu'il est plus faible là, d'un seul coup. Ouais, il y a 60 000 hommes, mais j'en vois que 37, ce qui m'inquiète. Je n'aime pas en voir comme vous. Après, il a peut-être eu un soubresaut de je vais m'occuper de mes rebelles. Ok, Tunisien, comment dire? C'est bientôt fini, hein. Là aussi, il semblerait qu'on ait pas mal de drapeaux noirs. Ah,
5, alors on se calme, on se calme. Et donc on va ici. Tout va bien. On va donc là. On va se permettre de payer celui-là. On va plus pouvoir synchroniser parce qu'il n'y a finalement plus beaucoup. Oh là 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 là. 35%. Ça s'est fait juste tellement vite. Bah nous on va avancer vers là maintenant. Ça y est, on a retrouvé notre mamelouk, il est là-bas. Il monte. Bah c'est très bien, on va faire le bas pendant qu'il fait le haut. Donc 13, 6, 5, c'est une armée de maintien du territoire. Donc on va la laisser là. Ici, Andara. Et elle va maintenir le territoire. Alors pour l'instant, elle ne va pas maintenir grand-chose avec ses 1,7 hommes, mais on lui fait confiance pour reprendre des forces. Il est vrai que des territoires qu'on ne peut pas légitimer, on pourrait les convertir. Toutefois, j'ai une espèce de suspicion que la guerre contre la Tunisie se finisse assez vite. Hein. On va donc attendre un petit peu. 15,1. Alors, est-ce que je me suis vautré? Pas vautré. Non. Non, non, j'ai bien fait. Parfait. Oh, ils étaient vraiment à vue de nez. Donc là, normalement, on devrait pouvoir légitimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Et bien, on va continuer à avancer. Par contre, afin d'éviter l'attrition, nous allons envoyer. Voilà, 10 bonhommes. Nous, on va rester en arrière. On va envoyer les 10 bonhommes. Prendre des territoires qu'il y a devant. Voilà, et nous, on va attendre. Tout simplement, on va patienter. Alors, le portugais, on va forcément lui demander de venir à une table. Go, go, go. Lui, on le laisse faire ça, hein, parce qu'évidemment, ça nous permettra de passer. Toutefois, faut pas sous-estimer. Ah, demi-tour, 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 demi-tour. Demi-tour avec tout le monde là. Tout le monde sauf les 10 qui sont partis. On a les Tunisiens qui se séparent.
et qui vont donc venir chez nous nous embêter. Ah, du coup, c'est le Portugais qui se sent obligé de faire le petit truc qui traîne. Ça me va. Mamelouk, il est en train de reprendre là-haut. C'est très bien qu'il fasse ça pendant que nous on fait ça. Parce que derrière, bah, il y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de travail là. Mais je me dis quand même qu'on pourrait s'approcher du moment où on va signer. Comme je le disais, il faut faire la mesure entre. Entre ce que l'on va prendre. On est loin du compte, hein, quand même, là. Très très loin. Mais là, je perds du temps là-dessus. Parce que je vais laisser durer encore un certain temps. Allez, on va laisser durer encore un tout petit peu. Ne serait-ce parce que je pense qu'on prend plus vite que lui. Et puis que je me serais bien vu faire prendre un petit peu plus quand même que ce qu'on m'a proposé là. Voilà, les séparatistes tunisiens sont là. Ils sont là, nos ennemis. Ils sont. Waouh, sur la même pile. Eh ben, on y va quand même. Donc, évidemment, on va aller là-bas. Alors on sauve Gênes, mais clairement, j'ai pas envie de voir le Tunisien revenir. Si j'ai fait ça, c'est pour parce que j'en ai ras-le-bol de me faire rasier. Et donc, voilà. Le Mamelouk qui peut pas rasier. Là, Gênes devrait normalement pouvoir reprendre ses terres. Et puis en plus, si c'est Gênes, c'est réintégré plus tard. Hein. Alors, je voudrais vous montrer aussi ça. C'est quand même assez violent, en fait. Tout, avec ma réputation diplomatique, tout le monde vote pour moi, quoi qu'il arrive. C'est la fête. Ok, on va re-regarder où on en est. Là, quand ça va tomber, ça va nous permettre de passer. Mais je crois qu'on peut déjà passer en fait. Ah bah là, ils sont en train d'envahir tout là. Ok. Ah bah non, on peut pas passer. C'est ce que je disais. Mais ils sont tellement en train de tout prendre. Alors, on va vérifier qu'on puisse faire aucune légitimité. Et donc lancer tous les missionnaires chez nous, bah, dans les provinces où on ne peut pas légitimiser, justement. Ok. Eux, ils pensaient qu'ils pouvaient y aller, mais en passant par là. C'est pas la fête. Allez, ça, c'est repris. Ça nous fait un bon pourcentage de guerre. Pas assez pour prendre ça. On va envoyer le moscovite là-haut. Allez hop, moi je vais y aller. Alors toi, tu vas t'occuper. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre avec du haut de tes 1,7 hommes. Mais tu vas t'occuper du maintien de l'ordre au Maghreb. C'est bon. Je ne peux clairement pas maintenir ma lutte contre la corruption. On va se relaisser corrompre.
Le Suédois, il a fait quoi? Ça y est, le contact. Tout ce qu'on lui demande, bien entendu, c'est pas compliqué maintenant, c'est de mourir. Juste de mourir, de nous laisser désaccord avec un conseiller. En général, ça se termine bien. Voilà, on s'est remis d'accord. Partisans du roi, on les aime bien ceux-là. Hein. Allez hop, on va essayer de monter notre légitimité. 1, 2, voilà, on remet à 100. Et donc maintenant, s'il nous reste des points, on va faire péter ici. On a quelques points d'avance, par contre on n'est pas au max. N'oublions pas, 1er février 1658. Ah, le moscovite est là. Donc normalement ça devrait être suffisant pour le perturber. Ok, là il m'a donné ça. Ah, il me donne plus ça. T'es gentil toi. Et maintenant est-ce qu'il me donne ça? Ah, moi je voulais aller chercher ça en plus. Hein. Voilà ce que j'aimerais bien en fait en vrai. On est encore un petit peu loin. Mais je pense qu'on va se rapprocher très vivement. Ouais, vraiment très vivement. Hop, prends des points. Là vraiment ça se passe bien ici. Ouais. J'arrête de lutter contre la corruption. Parce que j'ai besoin de faire monter mon argent. Tout simplement pour payer mon institution. Alors c'est pas urgent urgent de payer l'institution. Mais en même temps. Mais en même temps, si on peut le faire plus vite, autant le faire plus vite. Ok, bon bah là il débarque carrément là. Non, je pense que ça vaut le coup de laisser continuer encore un tout petit peu. Il est sur deux forts. J'aimerais bien voir ce qu'il va faire lui. Ah, il a pris le fort. Je pensais sincèrement que sa manpower allait flancher un petit peu plus tôt. Il fait quoi? Il va où? À mon avis, il va se battre chez lui. Oh, bien joué le siège à 14. Ok, là ça avance à toute vitesse. Là c'est pareil, ils sont en train de prendre les 3 ou 4 derniers et après tout le monde va remonter. Le portugais, tout le monde va remonter là. Moi j'ai fait une petite hâte de 43 000. Normalement ça devrait être suffisant pour déloger ce monsieur, j'espère. Sinon je repartirai la queue entre les pattes. Hop 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 hop. Trop tard. Tu t'avais pas vu venir toi. Oh bah voilà le portugais. On a perdu le siège de Isil. C'est exact. Toutefois. Toutefois, portugais, joins-toi à moi. On va aller faire du score de guerre. Bien. Et si on ne peut pas prendre ici ni sa zone, et ben on descendra dans une autre zone. Portugais. Merci. On va essayer d'abord de prendre ça. On va voir à combien je suis quand je suis tout seul. La Ligue de Rome. Bah voyons. C'est pas terrible. On en est où là? Ouais, on va reprendre ça. Et je pense vraiment que quand on l'aura pris, il sera incapable de revenir en arrière nous embêter. Clairement. Ok, on va sortir les gars. Hop, on va les amener ici.
va lui demander d'arrêter ça. Voilà. On va bien entendu venir se mettre ici. Histoire de lui dire tu ne passes pas. Ah, il va passer. Très bien. Il va passer avec les deux. Ok, bah il est bloqué de l'autre côté. On va se diviser. On va venir faire le siège ici. C'est parce que j'ai pas de bateau que je suis si faible. On va essayer de faire gagner du temps aux gens à proximité en allant dessiéger tout. Comme ça, il ne restera plus qu'une chose à faire. Oh là 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 là, ça c'est la cata par contre. Donc il y a beaucoup trop de rebelles. Et ouais, mais tant qu'on ne l'a pas défoncé, tant qu'on lui a pas tapé ses troupes, voilà, tant qu'on l'a pas tapé ses troupes, on a très très faible score de guerre. Il faut que tout le monde... Aïe! Me prend une baffe. On va voir si c'est pas trop tard pour venir. Il faut que tout le monde maintenant aille au combat. Alors vous y allez là? Allez go! Tout le monde au combat. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il vient m'embêter? Ah non, c'est le Portugais qui va embêter. Ok, ça c'est bon. Très très bon. On va pouvoir recommencer ici. Et on va pouvoir utiliser nos missionnaires. Alors, est-ce que les rebelles nous posent des gros problèmes? Pas vraiment. Là, évidemment, ils en ont pour un moment. Lui, il est sur un fort. Hein? Le siège de Constantinople est tombé. Fichtre-toi de moi. Waouh. Ça pique. Allez, on va s'arrêter là, il y en a marre. Très bien. Go. C'est pas si mal. Tout ça, ça va partir pour la Caramanie. Sarwan. C'est là, normalement, c'est ça? Ouais, c'est là. Smyrne. Ça m'étonnerait, si. Adin. Karazi. Mente machin. Karamani, ça devrait pas lui coûter beaucoup d'expansion agressive de récupérer la Karamani. Issel. La prochaine guerre contre le Mamelouk sera plus lointaine. Et évidemment, on a pris ce qu'on voulait, c'est-à-dire surtout tout le Maroc. Tout... On l'a complètement coupé. Il n'a plus de bateau. Terminé. Tunis, c'est pareil, c'est terminé. On a complètement européanisé la côte. Sivas. Divgri. Et ça, c'est l'Arménie qui pourrait se relibérer prochainement.
Malayata. Malatia. Et Marache. Ah, on a Chios aussi. Bon bah voilà, on a pris tout ça là. C'est nettement plus... On n'a pas pu prendre des îles, bien sûr, parce qu'il y a des forts dessus. Mais c'est nettement plus propre. On l'a bien affaibli. Encore une fois, ce coup-ci, il viendra plus nous embêter à partir d'ici. Et on pourra direct démarrer. De toute façon, les guerres contre le Mamelouk, en réalité, sont assez faciles. Longues et fastidieuses, mais faciles. Oh, lui, il a repris. Il a repris, c'est très bien. Il va pouvoir assurer la sécurité. Là, on a 24, là, on a 24. Eh bien, écoutez, on va pas tarder à monter dans nos navires. On va laisser tout cela décanter un tout petit peu. Et la prochaine agression se fera contre la France. Et la France avec pour objectif un casus belli très particulier qui consiste en libération des pays. Ce qui fait qu'on va faire exploser la France. On aura zéro point diplomatique à payer pour toutes les libérations de pays. Voilà. On va faire une guerre pour lui faire exploser qu'il n'existe plus. Voilà. Libération de pays. Ce sera que des pays qui vont bien nous aimer. Ensuite, ils vont se manger les uns les autres. Et quand il y en aura un gros, on pourra faire une PU sur lui. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Donc c'est pas la France. Et surtout, le deuxième objectif, il est là. Ici. 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 Moi j'en vois au moins 4. Il en a peut-être fait d'autres, on va vérifier. Quand on sera en guerre, ils apparaîtront très facilement. Ici. Ici. Alors les colonies, non. Les colonies, bien sûr, je les prends pas. Celle-là, elle est finie, je vais essayer de la prendre. On va essayer de prendre tout ce qui est... tout ce qui est... implémentation. Pourquoi? Bah, parce que du coup, ça va nous donner. Tenez ici aussi, il y a quelque chose. Ça va nous donner la portée en fait. Ça va nous donner la portée pour avancer. Moi, j'arrive jamais à acheter des trucs. Ils veulent jamais les gars. De toute façon, j'ai même pas la portée. Hein. Ma portée, elle m'emmène jusqu'ici. Donc, je peux même pas demander au Kilwa des. Si, je pourrais demander au Kilwa des trucs. Tiens. Alors. File-moi un... Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.